Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, tu as un travail qui te convient. Bon voilà, ça te permet de pouvoir un peu payer tes factures, mais que tu aspires à voyager, faire le tour du monde, être ton propre patron, peut-être vivre de ta passion. Si jamais c'est ton cas, en tout cas, sache que moi aussi, j'étais dans la même situation il y a quelques années. Je vais déposer la caméra, ça sera plus simple. Hop, voilà, là on est mieux comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo. Comment faire pour pouvoir générer au moins un SMIC au minimum dans un an grâce à son business en ligne? Donc moi aussi, il y a quelques années, je rêvais de pouvoir être libre financièrement, de pouvoir être libre géographiquement. C'est surtout ça qui était important pour moi, vraiment être libre. Je voulais voyager. Tu vois, là, actuellement, je suis en Alabama. Bon, ça se voit peut-être pas forcément dans le cadre. Mais en tout cas, j'ai pu, grâce à mon business en ligne, pouvoir commencer à voyager sans me soucier, en tout cas, de devoir rendre des comptes à un patron. Donc moi, il y a quelques années, comment ça a commencé? Il faut savoir qu'à la base, moi, je suis pompier de Paris. Tu vois, j'étais électricien chez les pompiers de Paris. Donc, j'étais entouré de personnes qui investissaient en fait en immobilier. Donc j'ai commencé, du coup forcément ça m'a influencé, j'ai commencé à investir aussi en immobilier. Donc j'avais acheté un appartement, donc j'avais fait une grosse erreur parce que du coup j'avais acheté sans me former, donc du coup j'ai acheté un truc qui n'était pas super. Et je m'étais dit dans l'idée que une fois que j'aurais fini de payer les traites de mon appartement, parce que j'avais pris un prêt sur 15 ans, j'allais vendre cet appartement là et avec les fonds que j'allais recueillir, j'allais m'acheter une franchise. Donc ça c'était le plan que j'avais. Donc tu vois, tu fais avec les meilleures idées que au moment T, hein. donc là maintenant avec le recul, bon, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, mais il y a mieux. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que au bout de mes 5 années de pompier, parce qu'en fait c'est un contrat militaire de 5 ans, je me suis dit je vais faire infirmier libéral, tu vois, parce que ma mère en fait elle travaille en tant qu'infirmier libéral et j'aurais pu travailler avec elle. Donc du coup j'ai tout arrêté, j'ai repris mes études pour pouvoir être infirmier libéral, tu vois, donc toujours dans l'optique de pouvoir être à mon compte, mon propre patron, et avoir cette liberté que je voulais tant, tu vois. C'était vraiment important pour moi. Et donc du coup j'ai commencé à faire ça, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmier, et en parallèle j'ai découvert internet, tu vois. J'ai commencé à voir des vidéos, voir qu'on pouvait vivre de son business en ligne. Je voyais des gens qui disaient ouais, ils vivent, ils voyagent à droite à gauche, ils font le tour du monde. J'ai dit mais attends, mais c'est exactement moi, c'est ce que je veux faire, tu vois. Et donc du coup j'ai commencé à investir sur moi pour pouvoir savoir comment créer un business en ligne. Donc je te cache pas qu'au début la formation que j'avais achetée, elle valait 2000 euros. Je peux te dire que ça m'a fait mal, hein. Donc j'avais payé en plusieurs fois et j'avais vraiment la rage pour pouvoir réussir du coup à avoir des résultats. Donc j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone du coup, et finalement tu vois ce business sur le saxophone du coup m'a rapporté plus de 62-63 000 euros en 2 ans. Donc j'étais super content, j'ai continué à me former, à investir sur moi pour pouvoir en fait développer encore plus de compétences dans le business en ligne. Franchement j'ai essayé énormément de choses, je me suis ramassé sur plein d'endroits. Donc du coup j'ai pris en compétences, et c'est pour ça maintenant que je les partage avec toi sur ma chaîne YouTube. Donc le réel problème qui fait que les gens n'ont pas de résultats dans le business en ligne, parce que c'est simplement parce qu'il y a tellement d'informations partout que tu sais pas par où commencer, tu sais pas quel logiciel prendre. Il y en a qui disent ouais, fais plutôt par cette stratégie. Il y en a qui disent ouais, fais plutôt par cette stratégie, tu vois. Donc forcément tu es un peu perdu et tu sais pas réellement quelles sont les étapes à suivre, par où commencer pour pouvoir vraiment avoir des résultats. Donc l'idéal ce serait quand même d'avoir un cheminement qui te permet d'atteindre, de suivre un cheminement à suivre qui te permettrait d'atteindre tes résultats. Donc à force de me former et avec l'expérience que j'ai acquérie au fur et à mesure, parce que après du coup j'étais dans des masterminds, j'ai fait énormément de séminaires, je me suis entouré de personnes qui étaient multimillionnaires, qui avaient une grosse réussite dans le business en ligne, j'ai réussi à développer une stratégie, une technique qui permet d'aller le plus rapidement droit au but. Donc c'est vraiment un raccourci qui te permet d'atteindre directement tes objectifs. Alors comment faire pour pouvoir faire un SMIC au minimum dans un an en créant son business en ligne? Le truc il est super simple, tu vois. Si jamais tu as un produit à 200 euros, il suffit que tu aies 5 clients dans un mois, ça te fait 1000 euros, ça te fait au moins 1000 euros par mois, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est vraiment si difficile que ça d'avoir 5 clients par mois, d'accord? Bon, alors je sais que le SMIC il est à 1200 ou 1300 je crois, mais voilà, tu comprends l'idée, tu vois. Donc après si tu veux, on peut même faire 6 clients à 200 euros, tu vois, ça te fait combien de clients? Ça te fait quoi, un peu plus de 1,5 peut-être par semaine. Bon, je suis pas bon en maths, mais tu comprends le principe. Donc est-ce que tu penses que c'est vraiment si difficile que ça de pouvoir faire 1,5 clients par semaine avec un de tes produits à 200 euros? Donc j'ai créé une formation en ligne, en fait elle n'est pas encore créée parce qu'en fait c'est un pré-lancement que je fais. Donc, une formation en ligne qui va permettre d'atteindre directement les résultats que tu veux avoir, donc dans un an, d'avoir vraiment un raccourci qui t'emmène directement pour pouvoir générer au moins ce SMIC au minimum par mois, ok? Donc cette formation elle a été créée pour les gens qui veulent vraiment avoir leur liberté, des gens qui veulent avoir des résultats rapidement, d'accord, des gens qui pensent pas que c'est un truc magique, d'accord, que lorsqu'ils vont acheter la formation
formation, boum, ça va tomber du ciel et l'argent va tomber tous les mois sur leur compte en banque. Si jamais c'est à ça que tu t'attends, cette formation, elle ne sera pas pour toi. Les défauts de ma formation sont multiples, d'accord ? Ça veut dire que si jamais tu t'attends à des cours magistraux, si tu t'attends à des super beaux PowerPoint, si tu t'attends à des trucs sans faute d'orthographe, la formation, elle ne sera pas pour toi, d'accord ? Ce sera vraiment un truc où j'irai à l'essentiel. Ce sera vraiment des vidéos super courtes. Je ne vais pas te faire des vidéos de 2 heures ou de 1 heure, d'accord ? Ce sera vraiment des vidéos où j'irai droit à l'essentiel parce que c'est comme ça que je suis, tu vois, même avec mes clients, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont des résultats aussi rapidement parce que moi, je vais droit à l'essentiel. Donc, si tu veux avoir toute la connaissance sur le business en ligne de A à Z, ce ne sera pas cette formation qu'il faudra acheter. Moi, ce sera une formation qui va te permettre d'atteindre ton objectif, c'est-à-dire de générer au moins un SMIC dans un an. Donc, cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. Hein. Si jamais tu rêves, tu penses que genre tout va se faire facilement, que tu n'as pas besoin de travailler, les gens qui n'ont pas envie de travailler, ce n'est pas pour eux. Donc, voilà, ça, c'était quelque chose que je voulais dire. Ce n'est pas un truc magique. C'est juste un raccourci que je te donne pour pouvoir atteindre l'objectif le plus rapidement. Donc, si tu es motivé et jamais tu veux atteindre ta liberté financière, là, cette formation sera pour toi. Donc, la formation, elle a un tarif de pré-lancement parce que, pour être honnête avec toi, la formation, je ne l'ai pas encore faite. Donc, tous les gens qui vont acheter à partir d'aujourd'hui et jusqu'à une semaine, d'accord, le tarif de pré-lancement dure une semaine. Tous les gens qui vont rentrer dans la formation dès maintenant auront un tarif vraiment préférentiel, donc de pré-lancement. Donc, si jamais toi, tu vois la vidéo un peu après, bon, ne t'inquiète pas, le prix, de toute façon, même si tu n'as pas au pré-lancement, ce sera quand même un prix super attractif. On est loin des formations à 2000 euros, 3000 euros, d'accord. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir intégrer la formation et accéder directement au module 1. Une fois que tu auras intégré la formation, tu auras le chemin le plus rapide pour pouvoir atteindre ta liberté géographique et ta liberté financière. D'accord ? Donc, la liberté financière, ça dépend de toi. Ton indépendance financière, si jamais tu veux 1000, 1500, 2000 euros, bah, du coup, il va falloir vendre un petit peu plus. D'ici quelques mois, tu pourras profiter de ta liberté et de pouvoir être enfin ton propre patron et pouvoir te projeter dans une vie que tu auras fait sur mesure. D'accord ? Parce qu'en plus, grâce à ça, ça va te permettre, grâce à la formation, ça va te permettre de développer une expertise que tu pourras en plus monétiser pour d'autres personnes ensuite. Dans la formation, tu trouveras premièrement comment trouver ton idée business, d'accord, ce sera le module 1. Donc on verra ensemble vraiment comment savoir si jamais ton idée business elle est rentable ou pas, et si jamais tu n'as vraiment pas d'idée, quelles sont les idées business qui sont vraiment rentables dans lesquelles tu peux te lancer. Ensuite, on verra dans le module 2 le marketing des millionnaires. Donc je vais t'expliquer exactement quel logiciel utiliser, comment quelle stratégie mettre en place pour pouvoir vraiment marketer de la meilleure manière, de la manière des millionnaires, la meilleure manière de faire en fait pour pouvoir avoir des résultats concrets et rapides. Dans le module 3, on verra comment avoir des fans, d'accord, qui achètent vos produits. Donc ça, c'est super important, tu vois. Ça, déjà, je peux te dire que pour pouvoir vraiment avoir des gens qui t'apprécient pour ce que tu es, c'est tout simplement de rester vrai, d'accord. Plus tu seras vrai, plus les gens vont accrocher à ta personnalité, vont se retrouver en toi et vont te faire confiance. Surtout ne pas jouer un jeu, ne pas mentir, surtout pas, ne pas faire semblant. On verra ensuite les secrets de YouTube pour pouvoir avoir 1000 euros. Pour pouvoir générer au minimum le SMIC, excuse-moi, 1000 euros, donc à chaque fois que je dis 1000 euros comme si le SMIC c'était 1000 euros, mais le secret sur YouTube pour pouvoir générer un SMIC au minimum par mois grâce à YouTube, il y a plusieurs stratégies à faire. Je vais t'expliquer exactement comment poster tes vidéos, comment, quoi faire, quel tag mettre, etc. en fonction pour pouvoir vraiment te référencer rapidement sur YouTube et du coup générer du trafic et générer ces fameux clients, tu vois, tes 5 clients au moins, 6 clients on va dire à 200 euros pour pouvoir générer ton SMIC. Ensuite, on va voir comment créer ton offre star. Donc ton offre star, elle doit être ultra rentable, elle doit être facile à livrer et elle doit être irrésistible aux yeux de ton client. Donc on va voir ça, tout ça en détail dans la formation. Comment vendre de manière naturelle, d'accord. Donc c'est super important parce que on sait en France que les gens ont beaucoup de problèmes par rapport à la vente. Ils pensent que c'est un truc mal, qu'on essaie d'arnaquer les gens. Et non, c'est juste un échange de valeur. Donc on va voir exactement comment faire pour que tu puisses vendre et que ça puisse paraître de manière naturelle par rapport quand tu vas présenter ton offre. Ensuite, on verra ensemble la création de ton produit, d'accord. Donc comment créer un produit pour qu'il puisse vraiment correspondre à la demande de ton client. Donc du coup, il sera satisfait. Et dernier module, comment faire l'automatisation de ton business. Donc ce qui va te permettre de pouvoir être tranquille et de plus te concentrer que sur du contenu et de voir l'argent qui tombe tous les mois de manière automatique. Donc je sais que c'est ce que tu veux, ta liberté et pouvoir voyager, aller faire le tour du monde comme là je suis en train de faire actuellement. Donc cette formation, elle ne sera pas au prix habituel des autres formations que tu as pu connaître, qui sont à au moins 2000, des fois 2500, 2000, 3000 euros. Ce
sera beaucoup moins que ça. L'idée, c'est que en faisant deux ventes, tu puisses avoir rentabilisé ton investissement. Donc maintenant, si jamais tu veux commander, tu auras juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Tu vas être reconduit du coup après sur une page où sera présenté le bon de commande, où tu verras en fait un peu tous les modules qui sont encore redits. Et donc du coup, tu n'auras plus qu'à t'inscrire à la formation. Après, tu recevras un lien par email où là, tu auras accès au premier module pour pouvoir commencer la formation. Donc si jamais tu es dans la période de pré-lancement, bah, donc du coup, sur le premier module, il n'y aura pas encore de vidéo parce que je ne l'ai pas encore faite. Si jamais tu es arrivé après la phase de pré-lancement, tu auras sûrement accès au premier module. Tu pourras commencer directement la formation. Alors, je sais que beaucoup de gens disent « Ouais, les formations, c'est de la merde. On trouve tout gratuitement sur Internet. Ça ne sert à rien, etc. » Écoute, moi, ce que je te propose, c'est si jamais tu trouves tout gratuitement sur Internet, tout ce qui est dans ma formation, tu trouves tout gratuitement sur Internet, je te rembourse deux fois le prix de la formation. Donc, cette formation, c'est aussi pour les gens qui sont coach, consultants, qui ont un business en dur, pour les personnes qui sont débutants, pour les personnes qui n'ont encore aucune expérience dans le business en ligne. Tout est vraiment mâché étape par étape pour que vraiment la personne même qui débute puisse avoir toutes les compétences pour pouvoir avoir un raccourci et atteindre l'objectif qui est de générer au moins un SMIC minimum par mois. Parce que tu vois, moi avec le saxophone, j'ai généré au moins 2000 euros par mois en moyenne. Donc si je l'ai fait sur le saxophone, vous pouvez le faire pratiquement dans n'importe quelle niche. Donc on se retrouve tout de suite dans le premier module. Clique sur le lien qui est juste en dessous. Ciao, ciao.